Yo les amis, c'est Nakel, bienvenue chez Ater France, l'ancêtre de Destiny. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un nouvel espace communautaire qu'on a créé sur le PSN. Mais avant toute chose, je voulais déjà vous remercier parce que nous sommes sur les réseaux sociaux et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Twitter, sur Facebook et sur Twitch. Et je voulais vraiment vous remercier du fond du cœur parce que c'est vrai qu'on est une chaîne qui a été créée il n'y a pas longtemps, il y a moins de 18 mois je veux dire, et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Et encore, merci. Alors cette fois-ci, nous allons nous développer sur le PSN avec un nouvel espace communautaire. Donc on l'a intitulé donc Destiny ATR France. Alors la première chose, donc après je vais vous expliquer à quoi ça sert, mais la première chose, comment le trouver. Donc vous allez donc dans l'espace communautaire. Donc voilà, vous cliquez donc dans l'espace communautaire. Ensuite, donc vous sélectionnez, donc vous allez déjà dans recherche et vous allez dans vous tapez Destiny. Voilà, donc Destiny un peu plus loin, ATR France, tout attaché, vous faites rechercher et vous tombez chez nous. Voilà, Destiny ATR France. Donc c'est une chaîne qu'on a créée, enfin c'est un espace communautaire qu'on a créé hier. Aujourd'hui nous sommes 52 joueurs qui se sommes inscrits donc sur ce nouvel espace communautaire. Donc vous sélectionnez, une fois que vous arrivez là, voilà, vous arrivez sur le mur de notre communauté. Alors moi je suis déjà inscrit, je ne peux pas le faire avec vous. Après, donc il suffit juste de vous inscrire. Et c'est un espace libre, c'est-à-dire que c'est accessible à tout le monde. Donc tout le monde peut s'inscrire. Alors, à quoi ça sert? Eh bien, c'est pas compliqué à faire des activités entre vous pour des joueurs qui ont des difficultés à trouver du monde, par exemple. Donc vous pouvez faire de l'entraide. Donc comme j'ai noté d'ailleurs, le raid, faire aussi de la bannière, le jugement d'Osiris et des événements, pourquoi pas. Donc il y en a un qui sort la semaine prochaine, donc que Bungie donc, nous sort, intitulé l'avènement pour la course des passereaux. Bon, il y a encore plein de nouveautés aussi qui vont suivre derrière. Et ça vous permet bien sûr de vous grouper tous ensemble pour faire ces événements. Et pourquoi pas aussi peut-être, je sais pas, en fonction du monde qu'on sera sur cette communauté, pourquoi pas peut-être aussi faire des jeux en concours. Alors j'ai noté une règle du forum, il n'y en a qu'une, et c'est du bon sens pour tout le monde. Donc on est là tous pour jouer, pour passer du bon moment, et le minimum c'est bien sûr de vous respecter. Alors si vous venez chez nous, alors comme c'est ouvert à tout le monde, et vous inscrivez chez nous, vraiment c'est pour passer du bon moment et pas pour vous prendre la tête. Voilà, ça c'est important, sinon bien sûr entendu il y aura des sanctions. Alors donc ensuite c'est pas compliqué, vous allez après dans l'espace de discussion, donc il y en a plusieurs déjà qui se sont inscrits donc chez nous, et bah vous lancez donc ce que vous avez besoin de faire. Si vous voulez faire une activité par exemple, je sais pas, une nuit noire ou je sais pas, un raid, etc., et ben il suffit de l'inscrire dans l'espace de discussion, et puis s'il y a des joueurs qui sont dispo ou autre, et eh bien ça permettra de vous regrouper, de jouer ensemble et de faire des connaissances, pourquoi pas. Alors, il y a un avantage aussi, c'est que vous allez pouvoir jouer aussi avec les membres de la team. Avec moi, les membres de la team, pourquoi pas, donc si on est dispo, et ça vous permettra de jouer avec vous, les amis. Voilà, donc c'était donc une petite vidéo que je voulais vous présenter, donc c'est tout simple, c'est pas compliqué, et si on peut passer tous du bon moment ensemble, ben voilà, tout le monde sera content, et d'avancer aussi dans le jeu, et on sera tous contents. Voilà les amis, bon, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce nouveau espace communautaire. Et moi je vous dis tous à très très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao ciao les amis.